Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel sur Delicious, le miracle de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez Delicious, mais en fait c'est une série de jeux qui existe depuis plusieurs années en fait, où on suit les aventures de Emily, c'est ça, Emily Napoli, qui est en fait restauratrice, etc. Et en fait moi je connaissais pas du tout avant de jouer à Hearts Medicine, un jeu que j'ai découvert l'année dernière, et franchement pour moi c'était un des meilleurs jeux de l'année 2016. Et par la suite j'ai découvert Delicious en jouant à la saison consacrée à Noël, et entre-temps j'ai joué à deux saisons de Angela, et Angela c'est la sœur de Emily. Donc là il y a un nouvel épisode de Delicious qui est sorti, et le fait est que moi ça, je voulais jouer à d'autres saisons, mais là comme cette nouvelle saison est sortie là tout de suite, je me suis dit bah pourquoi pas. Alors je vous présente la famille, ça c'est Emily si vous vous rappelez, ça c'est Patrick le père, et ça c'est Paige la fille. La musique est génial, donc voilà. Et n'hésitez pas tout de suite à vous abonner pour ne pas louper un seul épisode de Delicious et à lever les pouces en l'air pour toute la petite famille Napoli. Comment ça? Oh, j'aimerais bien avoir un petit frère avec qui jouer, mais mamie Evelyne a dit que pour ça, je devais trouver une cigogne. Des cigognes et des bébés. Oh, je peux te dire que j'en connais un rayon. Laisse-moi réfléchir un peu. Tout commence lorsque la maman est... écoute, Paige. Mamie Evelyne a raison, et nous aussi, on recherche une cigogne. Mais il faut savoir qu'elles sont extrêmement rares aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, maman, je vais en trouver une pour toi, je te le promets. Wouhou! Elle est partie. Elle cherche la cigogne dans le ciel, voilà. Oh. Allez, allumez vos briquets, gauche, droite, ou allumez vos téléphones. Elle est trop mignonne quand même. Et la musique est géniale, hein? Ah, bon, bah en tout cas, je veux dire, c'est pas un spoil de savoir que Emily, justement, va être enceinte, puisque sur l'image du jeu, elle a un ventre bien rond. Patrick, tu es réveillé? Je n'arrive pas à dormir. Non, il dormait pas. Je culpabilise de laisser Paige espérer. Tous les médecins sont du même avis. Tu n'es pas responsable de tout ça, Emily. Je sais, mais j'aurais tellement aimé avoir un autre enfant. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. La nature est imprévisible. C'est vrai. On est heureux tous les trois malgré tout, non? La vie s'est montrée généreuse avec nous jusqu'à maintenant, tu ne trouves pas? Oh, ils sont trop mignons. Ils sont tristes, ils veulent un autre enfant, mais ils n'y arrivent pas. Oh. La plume de... La plume de cigogne qui arrive. Oh, Émilie, le miracle de la vie. Parfait. Eh ben, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que moi, vous savez, j'adore complètement cette série de jeux et ce style de jeu. Et c'est vrai que je connais pas d'autres youtubeurs français qui font ça, donc je suis très très content de vous les présenter. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la leçon hebdomadaire de Passion Cuisine avec Émilie O'Malley. Ah oui, c'est vrai que c'est son nouveau nom de famille. Normalement, elle s'appelle Émilie Apolli, mais j'avais oublié qu'elle s'appelait O'Malley parce que c'est Patrick O'Malley. C'est bien moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une incroyable recette de famille. Coucou Paige, qu'est-ce que tu fais? Oh, et à propos de famille, voici ma fille Paige qui vient ajouter son grain de sel. N'appuie pas sur ce bouton, ça va? Oh, appelez papy, Vito.
Et là, papy va faire Emily. Oh, coucou papy, désolé, j'ai fait une erreur de manipulation. Aïe aïe aïe. Emily, je ne t'entends pas, ma chérie. Oh, désolé tout le monde, c'est mon grand-père italien. Je suppose qu'il a encore mis le volume sur muet. Oups, désolé, je crois que j'ai appuyé sur la touche muet par mégarde. Oh, je peux te rappeler un peu plus tard, papy. Je suis en train de plein streaming sur mon blog. Oh, bon, je disais donc. Non, mais elle fait n'importe quoi. Oh, oh la musique. La musique typique. Franchement, allez regarder mon let's play sur Emily Noël. C'est exactement la même musique, sauf que c'est un autre thème en fait. Bon, un instant. Oh. Non, mais il faut l'attacher la petite là. Bon, Emily, désolé, je sais que tu es en direct, mais l'écouteur commence à arriver. Ah mince, je n'avais pas vu que c'était bientôt l'heure de la dégustation. Bon, j'ai invité des abonnés de mon blog à assister à l'émission d'aujourd'hui. J'ai complètement oublié de vous en parler. Ce sont les aléas de la vie. Oh, trop cool, ça commence, ça commence. Souhaitez-vous apprendre les bases de Delicious? Non, parce que moi, je les connais. Ah, répondez aux requêtes du blog vidéo. Alors attendez, je me concentre parce que là, attention. Oh là là, c'est long, décide-toi. Ah, il veut un livre de cuisine. Et je lui donne. Parfait. Et lui, hop, on peut l'encaisser. Très bien. Oh, j'aurais peut-être dû attendre que lui se décide. Alors... Padam pam padam pam pam. Oh, coucou toi. Bon, je t'encaisse. Elle est trop mignonne, Emily, en fait. Oh, comment tu fais pour gérer un tel afflux de clients? Oh, il faut leur apporter leurs commandes le plus vite possible. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Voyons voir. Salut, mamie. Allez, décidez-vous. Alors, ils veulent un livre, un donut. Et elle, elle veut quoi? Je reste par là si jamais elle veut un donut. Décide-toi. Bon, ok, elle le veut pas. Et elle veut une tranche de pain avec une tranche de fromage et un avocat. Et on fait ça et on va encaisser les deux. Voilà, parfait. Trop cool. Et voilà, les goûteurs sont trop contents, plein d'amour. Ah, je réponds au deuxième blog. Oh, Emily, comment tu fais pour porter toutes ces choses sur ton plateau? Oh, grâce à des années d'entraînement. En plus, c'est gratifiant d'apporter à un client sa commande dans la totalité. Et hop, on encaisse. Alors, le bouquin pour la petite dame. Je vais attendre que lui se décide. Comme ça, j'encaisse les deux en même temps, ça fait un petit combo. C'est trop mignon, elle fait des petits gestes et tout. Oh là là, elle perd son cœur, elle. Non, parfait. Hop, 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 et hop. Ah, dernière requête. Oh, Emily, tu veux bien nous donner une astuce en plus? Oh, j'encaisse plusieurs clients en même temps pour gagner un peu plus d'argent. C'est exactement ça. Allez. Ah, mais c'est déjà la fin de la journée. Bah voilà, pas le temps de traîner. Et je vais lui donner... Décide-toi. Ok, pas le temps de traîner. Je nettoie. Et ensuite, j'encaisse tout le monde. Voilà, regardez. C'est comme ça qu'on joue. Oh, tout ça comme pour boire, j'adore. Ah, trop cool. À la peine, j'étais trop contente. Et moi aussi, voilà, c'est génial. Ah. Ah, voici Patrick qui arrive. Oh. Hey. Wouhou, il y a tout un tas d'avis très positifs sur ta dernière vidéo. J'ai adoré le moment où ta fille a débarqué. On a l'impression d'être immergé dans votre vie de famille. Paige est trop mignonne. À quand un petit... Oh. Oups. Bon, écoute celui-là. Waouh, ton mari est superbe. Dommage qu'il ne soit resté qu'à l'écran une petite minute. Oh, la dernière session était assez chaotique. La prochaine fois, je veux que tout soit parfait. Bon, comme les travaux réalisés dans la cuisine. Par mon super mari super canon. Wouhou, je crois que c'était le meilleur moyen d'investir notre argent, puisque de toute façon, il ne servira pas à faire une chambre de bébé. Ne sois pas triste, ma chérie. Ah, et à propos de travaux, viens voir les progrès que j'ai fait dans le grenier. Il y a même de la place pour une télé de 60 pouces pour regarder les matchs de foot avec les copains. Mmh. Oh, je suis sûr que ta garçonnière est super. Ah, ah, ah. Ils sont morts de rire. Ils sont trop mignons, c'est le couple parfait. Ah, parfait. Je vais enfin... Certains de vous permettent de remporter des diamants.
au terme des niveaux bonus, ça je sais, c'est bon, on connaît. Du coup, je vais faire une petite pause dans la vidéo pour régler le son parce que il me semble que le son est un peu fort et je reviens vers vous tout de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai baissé le son, ça devrait aller un peu mieux parce que moi ça me tuait les oreilles. Pour vous ça sera la même chose, mais pour moi c'est le son. Alors certains fans du blog vidéo d'Emily visitent la cuisine dans laquelle elle travaille, servez-les rapidement pour les rendre fous de joie. Allez, parfait, composez votre menu. Trop bien. Non, bah c'est bon, j'ai rien à faire. Servez 13 clients avec un max de cœur. Ok. Vous allez voir, ça je gère parfaitement. Par contre, il faut vraiment qu'ils décident plus vite, hein. Ça c'est stressant. Ah, un petit sandwich à l'avocat pour le monsieur. Et la demoiselle, elle veut un livre de cuisine et j'encaisse les deux. Ah. Ah, j'adore les petites animations et tout comme ça. Hop, les poussettes sont tabliées, elle se refait les cheveux et tout. Allez, elle veut ça et ça. Voilà. Parfait. Ah, un autre donut. Pour... Ah oui, du coup, je suis filmé et tout par la caméra et tout, c'est génial. Ok, ok, on fait ça. On va peut-être attendre qu'ils finissent, comme ça j'encaisse tout le monde. En même temps, non, j'aurais peut-être pas le temps. Faut que j'encaisse vite avant la fin du cœur. Dépêchez-vous. Ah bon, bah, faut que j'encaisse, tant pis. Ah bah, bravo, bravo. Et voilà, ils viennent seulement d'arriver, c'est nimpe. Mais monsieur, au lieu de rester derrière, passe devant. Oh non, t'es pas sérieux. Bah non, franchement. Oh, le bug. Bon. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire ici, donc je pourrais préparer des petits sandwichs hein, pour les clients. Bon bah, salut. Alors, un livre de cuisine, une petite bruschetta à l'avocat pour la table. Un petit donut. Vas-y monsieur, décide-toi vite s'il te plaît. Comme ça si tu veux un donut, non c'est bon. Ouh, deux à la suite, pourboire, yeah. Je sais pas où c'est le temps qui défile. Ah il est en bas, d'accord, j'avais pas vu, d'accord. Ah j'ai pas le temps d'attendre lui en fait. Il faut vraiment qu'ils perdent leur cœur moins vite avec les bonus que je vais mettre ici en fait. Ça serait cool hein. Alors, un petit comme ça et un petit comme ça. Vas-y, dis-moi que tu veux un donut, madame. Parfait. On va faire ça et on va te donner... Waouh ! Trop cool. Oh, le pourboire en or et tout, carrément. Ah. Alors, le livre de cuisine, la bruschetta à l'avocat. Et voilà, j'ai gagné. Facile. Et en plus, c'est la fin de la journée. Alors, on va attendre de voir ce qu'elle veut. Ah, elle veut une petite brusquette. Du coup, je vais pouvoir changer les donuts. Si vous avez vu Emily de Noël, en fait, on peut... Ah, le plateau est plein, d'accord. Ok, parfait. Ah, aïe, ah non, tu veux pas... Ah, ça, c'est dommage, parce que dans l'autre, on pouvait... Ah mince, la boutique n'est pas propre. Vite, vite. Ok. Ouh. Parfait. Ah, oula, oula, ça va trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est le shop. D'accord, ça a bien changé. Bienvenue à la boutique. Achetez des décorations pour améliorer l'environnement de jeu et accroître votre score. Sélectionnez cette décoration pour voir quelle influence elle aura sur l'environnement. Oh. Et voilà, un peu plus de temps pour cuisiner. C'est exactement ce que je voulais. Et il n'y a rien d'autre? Ok. Bon. Oh, bonjour toi. T'es trop mignon. Oh, franchement, la musique enchanteresse et tout, ça donne envie. Alors, attendez, on va regarder. Ah, c'est les saisons. Regardez, été, automne, hiver, hiver, printemps. Ah, oh, 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 oh. Regardez, c'est l'hôpital Little Creek. On va peut-être voir Allison, ça serait trop drôle. Et ensuite, retour à la maison. Wouhou. Donc, bon, bah, on est d'accord. Hein. Les diamants sont-ils là? Au terme du niveau 4, de belles surprises vous attendent. C'est peut-être là qu'elle va apprendre qu'elle est enceinte. Et Emily peut vous féliciter pour votre... Emily peut vous féliciter pour votre exploit. Elle vous a envoyé une carte postale pour que vous puissiez transmettre un message à vos proches. Chaque carte postale est unique, alors tentez de toutes les collecter. Oh, un voyage de milieu commence par un pas. Appuyez ici pour personnaliser et passager un massage personnel. Oh. Oh. Abonnez-vous!
Voilà. Oh, j'ai fait la faute. Voilà, le message personnel. Abonnez-vous. Merci. Parfait. Allez, ok. On va refaire. Donc, on va faire le niveau 2, puis le niveau 3. Et je pense qu'on va s'arrêter. Ça sera très bien, non? Amour familial inopportun. C'est quand votre fatigue est grande que vos proches ont le plus envie de vous voir. Effectivement. Et là, en plus, la grand-mère, elle est un peu pénible. Vous avez débloqué une amélioration de produit. Ce produit sera préparé plus rapidement. Ok. 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 Ah oui. Quand je clique là, voilà, on va pouvoir faire le donut nappé blanc, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et comme j'ai pas fait assez de sandwich, j'ai pas débloqué tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un nouvel atelier. Trop de la bombe. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, Evelyne. On peut plus. Papa, mais je t'ai dit qu'il n'était pas utile de gâter Paige à ce point. Oh, ce n'est rien, juste quelques bricoles à acheter, une bouchée de pain pour notre petite fille chérie. Ils sont toujours en train de se marrer, eux, en fait, hein, il faut arrêter. Hein. Bon, alors, où est-ce qu'elle est? À l'école, tu te souviens? Patrick l'a récupérée à la sortie, il ne devrait plus tarder. Oups, comment vas-tu, ma chérie? Est-ce que tu te sens bien? N'hésite pas à tout nous dire. On est là pour te soutenir. Eh bien, oh oui, je vais plutôt bien. Paige adore aller à la maternelle, et depuis qu'elle n'est plus à la maison, je peux me concentrer à du temps à mon blog. Et bien sûr, il reste quelques ajustements à faire. Comme dit toujours ton papy Vito, il faut prendre les choses comme elles viennent. Ouais, c'est ça. Bon, j'allais m'allonger un peu avant de me remettre au travail. Je suis épuisée. Oh, la pauvre. Oh, Edouard, Émilie a l'air si fatiguée. Nous devrions essayer de l'avancer un peu dans son travail. Je m'en occupe. Je vais remplir les stocks avant qu'elle ne se réveille. Oh, c'est trop cool. On va jouer avec lui. Ah non. Oh, d'accord. Trop cool. Bon, c'est sympa ce qu'ils ont fait, les parents. Alors, une petite soupe, plein de légumes frais, et je ne sais pas ce que c'est. Alors, bah, elle veut un plateau de légumes. Parfait, ben d'accord. On va attendre que lui se décide. Allez, dépêche-toi. Pareil. Et ensuite, j'encaisse les deux en même temps. Ah, par contre, où est-ce qu'on recharge les fruits et les légumes, s'il vous plaît? Ah, toi, bonjour! Ah, bah voilà, je ne sais pas, on va bientôt le savoir, vu que c'est vide. Ah, c'est là-dedans? Ah oui, d'accord, c'est des légumes cuits. C'est des légumes bouillis, même. Ok, j'ai tout compris. Parfait, c'est une sorte de potée, quoi. Trop bon, la potée. Encore, 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 encore. Attendez, on va faire ça. Vite, il faut pas que le pourboire diminue. Ah, bonjour, toi. Elle était dans Angela. Ah, bah je sais pas ce qu'elle veut. C'est une sorte de pâte, elle veut faire elle-même son pain, je crois. Ah! À certaines stations, les apprentis cuisiniers ont besoin de votre aide. Suivez les indications pour répondre à leurs besoins. D'accord? Ah, trop cool! Ah, les gens les applaudissent et tout. C'est trop drôle. Faut que je nettoie. Par contre, le pourboire, t'es un peu radine, ma petite, hein. Ok. Un petit. Ça y est, maintenant j'ai débloqué, je pense, le sandwich, non? Pas encore. Pareil. Allez, ça va être bon là. Je pense que c'est tout bon. Bon, c'est une sorte de pâte à pain, ouais. Tu fais ton propre gâteau et tout va bien. 1-1-1-1-1. Et des petits légumes pour le jeune homme. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Un livre de cuisine pour épater ses amis. Et la petite demoiselle, elle veut la pâte à pain. Forcément, il reste que ça, donc je vais lui donner. Et voilà, parfait. Et hop là, parfait. Ah non, c'est une pâte à crêpes, ça y est, j'ai tout compris. Et on va nettoyer tout ça. J'adore les crêpes, mais alors j'adore ça. Oh, c'est trop cool. D'ailleurs, je vais m'en faire, tiens. Allez, bonne idée. Profitez que je suis là pour prendre ça. Et ça, et ça, et donner à elle. Et prendre ça, et on encaisse. Parfait. Nous sommes deux sœurs jumelles. Tantantantant. Alors. Madame, qu'est-ce qu'elle veut? Oh, c'est déjà la fin de la journée, mais je me rends même pas compte.
et le petit donut. On va attendre qu'elle se décide parce qu'elle voudra peut-être un donut. J'ai bien fait d'attendre. Et on encaisse le monsieur et on nettoie. Et table propre, trop cool. Hii, trop mignonne. J'adore la petite Paige. Oh. Oh, je ferais bien de reprendre le sport. Bah, je sais pas, t'as pas vu que t'avais plus tes règles? Je me suis laissé aller ces derniers temps. Et crois-moi, ça n'ira pas en s'arrangeant avec l'âge. Pff, franchement. Maman, mais tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je m'inquiète pour toi, Emily, tu as l'air épuisée. Ce n'est pas... Oh, quelques-uns? Oh, tu n'es même plus que l'ombre de toi-même, Patrick devrait te donner un coup de main, regarde tout ce linge! Il fait de son mieux, maman, mais le lave-linge et lui, ça fait deux. La dernière fois qu'il a voulu faire la lessive, tout notre linge de maison est devenu rose. En plus, sa boutique de fleurs l'occupe bien, sans parler du fait qu'il transforme le grenier en antre pour lui et ses copains. Quoi? Mais imagine que vous agrandissez la famille. Pardon? Ton horloge biologique va finir par s'essouffler, tu sais? Merci, maman. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai du pain sur la planche. De quoi je me mêle, Evelyne? Hein? Retourne chez toi, hein, si t'es pas comme contente, hein. Non, mais dis donc. C'est bon, ça suffit de mettre la pression sur l'utérus des femmes, hein. Allez, troisième... et dernier épisode du jour. Portrait clinique. Emily ne prend pas soin de sa santé. Aidez-la à se reposer et à rester immobile pendant 25 secondes. Et on va voir ce que ça donne. Composez votre menu. Bah, de toute façon, je peux pas améliorer l'avocat. Ah mon dieu, mais j'en suis loin. Oh. Ah non, mais tac. Ok, bah c'est pas grave, je peux rien faire de mieux. Oh, j'adore ça, c'est un truc à bubble tea, là. Tu veux une tasse de café? Oh non, merci maman, je digère très mal le café ces derniers temps. Tu sais, il y a un virus qui traîne en ce moment, tu devrais aller consulter. Maman, je suis désolée de m'être énervée contre toi hier soir. Entre le restaurant, les ateliers et le blog, j'ai un peu trop tiré sur la corde, je crois. Ce n'est rien, ma puce, c'est juste que je m'inquiète pour toi. Oh. Alors fais-moi plaisir et suis mon conseil, va voir un médecin. Oh ouais, trop cool, on va aller voir Allison. Il faut faire confiance à sa mère, parfois. J'ai plein de choses à faire, maman. J'ai ma première Tina de la boutique de périculture de m'occuper de son buffet. Je vais essayer d'annuler. Oh, Emily. Avec ton père, nous allons annoncer une grande nouvelle d'ici quelques jours. Maman, tu ferais mieux de ne rien dire de plus pour garder l'effet de surprise. Ouais, je sais. Qu'est-ce que ça peut être? Ok. Rester immobile pendant 25 secondes. Eh ben, parfait. J'adore ça, les bubble tea. Bah, je vais pas bouger. C'est facile, regardez. Nouvelle table. Ah, c'est pas du tout un bubble tea. Dommage, je suis un peu déçu. Oh. Bah oui, bah j'attends, désolé. Désolé, 3 secondes à tenir. Parfait. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ok, ensuite on fait ça, 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 ça. Et... hop là, ça se remplit. Je l'ai entendu, la souris. Je l'ai entendu ici. Et voilà, ça y est, c'est bon. J'ai géré. Je vais en préparer un en avance. Ça peut toujours être cool. Ah. Ça peut toujours servir. Le jeune homme veut faire des crêpes. Vas-y, fais voir. Et hop là. Et on a fait sauter le pancake. Pardon. Et on fait un petit brusquette à l'avocat pour... le monsieur, et on encaisse tout le monde. Et on nettoie la table. Et on re-encaisse la petite dame qui est en train de perdre des cœurs. Ça, c'est mal foutu. Avant, quand il y avait plein de gens qui attendaient, ça encaissait tout le monde. Et là, ça le fait pas. Oh, regardez-moi ses yeux. Oh la pauvre. Des petits légumes pour le jeune homme. Et on va recharger ça en légumes. Parfait. Manger des fruits et des légumes tous les jours. Et bah voilà, les 3 étoiles qui viennent d'arriver. C'est trop cool. Oh, en plus, c'est la fin de la journée. Bah voilà. Ah, je suis refait. Parfait. Et on fait ça. Et c'est bon, on a terminé. Ah non, il faut que je nettoie la table aussi. Non, j'ai déjà nettoyé la table en fait. Ah mince, du coup, lui était derrière. Je ne l'avais pas vu. Table propre, plus 20. Ouh. Parfait. Oh. Oh, mais je veux jouer à ce jeu. C'est quoi? Regardez, c'est quoi tout ça là? Ah, mais.
Je veux jouer un jeu de puériculture. Je veux des petits hochets, des petits trucs et tout. Oh, à propos de Tina, je voulais te parler de quelque chose. Oh, ma vie a été pas mal mouvementée depuis nos dernières conversations. Ah, oh, la vie est une section de surprise, non? Par exemple, j'ai bien failli annuler le buffet. Oh, vraiment? Et c'est à ce moment que tu as débarqué. Et heureusement d'ailleurs, car nous avons énormément de travail. Oh, oui, c'est juste que j'étais déjà un emploi du temps bien chargé entre mon travail et mon blog de cuisine. Oh, je sais, je suis une grande fan. J'ai adoré l'épisode où Paige a versé discrètement des bonbons dans le bol du mixeur de la pâte à biscuits. Attendez, mais moi je veux ce jeu. C'est quoi ce jeu? J'adore. Regardez, il y a des biberons, des layettes et tout pour les bébés. Maman, regarde, des cigognes comme celle qui a apporté mon petit frère. Elle devient rouge. Oh, il fait super chaud ici, non? Emily? Ça va aller, je dors mal en ce moment, je vais rentrer me reposer un peu, si ça ne t'ennuie pas. Olé, ok, d'accord. Bisous, bye bye. Oups. Ah, faut, attends, mais attendez, moi je veux jouer à ce jeu. Vous avez débloqué les défis quotidiens? Vous pouvez jouer un nouveau défi toutes les 24 heures pour mettre à l'épreuve vos compétences et gagner plus de diamants. C'est parti. Création d'un nouveau défi. Ah ouais, d'accord, comme ça. Ils sont comme ça. Disparition mystérieuse. Des groupes de produits disparaissent de votre plateau. Ah bon? Oh. Ah oui, c'est vrai, je vous avais pas montré ça. Ok. Oh, c'est lui qui joue et tout. Trop de la balle. Des produits sont retirés du plateau. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. Ok. Bon, là, il n'y a rien de... Rien de nouveau, je ferai ça tout seul. Eh ben écoutez, voilà, donc un nouveau let's play. J'espère que ça vous plaît. Ça a l'air hyper sympa. Et c'est vrai que Game House là, ils se sont complètement déchirés sur leur jeu. Hein. Franchement, Artemis ici l'année dernière. Bah d'ailleurs, vous verrez tous mes let's play dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais du coup, Artemis, franchement, c'était tellement cool. La nouvelle saison est encore mieux que la précédente. Angela, la saison 2 que j'ai faite, wow, c'était mignonnet et tout. Mais la saison 3 était vraiment sympa et tout. Et du coup, là, ben voilà, c'est super cool. Moi, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à lever les pouces pour me soutenir. Parce que quand vous me soutenez, ben, du coup, ça me donne de la visibilité. Et du coup, ben, moi, ça me fait super plaisir. Voilà, je vous dis donc à mercredi prochain pour la suite des aventures de Emily. Et puis ben prenez soin de vous, peace out.